Salam alaikum, Mazoul. Bonsoir. La corruption en Algérie, on n'en parle même plus. À la limite, on n'en parle pas, tout simplement, tellement elle est rentrée dans les mœurs. Et elle a été tellement banalisée que de très nombreux personnages qui ont pignon sur le boulevard de la corruption n'hésitent pas une seconde pour aller en pèlerinage à la Mecque avec l'argent des pots de vin qu'ils reçoivent. Comme un dû, par ailleurs. Plus haut, dans les hautes sphères de la grande corruption, où on parle au moins en millions de dollars, il n'est plus rédhibitoire d'être un capot de la chipa royale, en même temps que grand serviteur de l'État. Serviteur avec un S majuscule, bien sûr. Et la prévarication a atteint un tel niveau de généralisation qu'il est devenu presque impossible de trouver un haut responsable qui ne bouffe pas au râtelier de la grande Zerda. C'est presque inimaginable, parce qu'un tel personnage, s'il devait exister, s'il existe, deviendrait une menace pour tout le sérail. Imaginez un peu. Un gros ponte de la politique ou du sécuritaire ou de l'armée ou de la magistrature ou de l'administration qui serait là à ne vivre que de son traitement, de son salaire et qui refuserait de tremper son pain dans la sauce, termes, comme on dit. Vous imaginez? Non seulement il titillerait la mauvaise conscience de tous ses collègues, si tant est qu'ils en ont, de ses pairs, de ses subordonnés, de ses supérieurs hiérarchiques. Mais en plus, il leur donnerait l'impression de n'être là que pour les surveiller, pour leur concocter des dossiers, d'être un témoin gênant de leur turpitude. Au point où l'on rapporte que pour ne pas avoir d'ennui, certains hauts responsables se sentent contraints de prélever leur dû, dû entre guillemets bien sûr, pour éviter d'être limogés ou affectés à des postes cimetières, hors des circuits où le pillage fait rage. Et il n'y a pas de jour où ce même régime qui a créé cette corruption systémique autant qu'elle est devenue systématique ne vienne nous déclarer la main sur le cœur qu'il se dévoue de toute l'énergie de ses honorables agents de l'État à combattre le fléau de la corruption qui ronge les fondements de la nation. Et patati patata avec des trémolos dans la voix. Et donc, voilà qu'on nous apprend que Bouteflika, oui, oui, Bouteflika en chair et en sauce, aurait décidé de finir le travail qu'il avait commencé quand il a créé l'organe de prévention et de lutte contre la corruption. Je me demande pourquoi on fait des machins aussi longs, à rallonge. Quand il a créé, il y a 10 ans, le 20 février 2006, quand il a signé la loi portant création de l'ONPLC, puis lors de la nomination de ses membres et son installation en 2011. En fait, cet organe qui a été créé pour ne pas exister, pour ne pas activer, pour ne pas bouger une oreille, en fait, quand il n'a pas existé, il n'a pas activé, il n'a pas bougé une oreille. Et donc, cet organe de lutte contre la corruption dont personne n'a entendu parler, a existé juste formellement. Ses membres ont été nommés et leur magistrature a expiré de sa belle mort en novembre 2015, sans même que les Algériens n'entendent parler de ce que faisaient ces gens, qui étaient pourtant grassement rétribués pour ne pas faire de vagues. C'est dire, en 2015, le mandat, pouvons-nous parler de mandat, de ses membres, de l'organe, membre nommé par décret, s'il vous plaît, a expiré. Et personne d'autre n'a été désigné pour les remplacer, même pour ne rien faire. C'est que, à ce moment-là, de très graves affaires de corruption étaient pendantes. Et il ne fallait surtout pas faire de vagues. Et là, aujourd'hui, Monsieur le Président aurait donc décidé, comme un grand, lui-même, hein, pas les autres, lui, Bouteflika, il aurait décidé de nommer de nouveaux membres et même de leur attribuer, nous dit-on, de nouvelles prérogatives. Je rappelle que lors de la cérémonie d'investiture de cet OVNI
qui est cet organe. En 2011, son président de l'époque avait fait une courte allocution dans laquelle il avait déclaré que la corruption a toujours existé dans ce pays. C'est incroyable, il l'a dit. Hein. Comme s'il voulait dédouaner d'une façon ou d'une autre le clan qui a fait atteindre à cette corruption des sommets hallucinants que nous connaissons aujourd'hui. Et il avait dit, dans le même temps, à la même occasion, que sa structure, cet organe, viendra renforcer la lutte contre la corruption. Ah bon, renforcer. Pourquoi, monsieur? Parce qu'il existait une lutte contre la corruption pour qu'il faille la renforcer. Je croyais que le régime faisait juste le contraire, qu'il blanchissait les Chaki Bilib Jaoui, qu'il donnait des instructions à la justice pour qu'elle liquide les affaires sur la traque 1 et 2, pour qu'elle étouffe l'affaire Khalifa, pour qu'elle ne mène pas d'investigation sur les graves présomptions qui pèsent sur un peu tout le monde en haut lieu, sur les plus hauts responsables de l'État, sur leurs familles, sur leurs enfants, sur leurs parents, leurs clients. Mais bon, en tous les cas, et première constatation, même s'ils sont inconnus au bataillon, les nouveaux membres de la nouvelle mouture de l'organe ne viennent pas de la société civile, mais étaient tous d'anciens magistrats, d'anciens officiers supérieurs, d'anciens gendarmes, DRS, d'anciens hauts fonctionnaires. Ils sont de la maison, pour ainsi dire. Et on nous dit aussi que cet organe serait investi d'une totale indépendance, sauf qu'il dépendrait du président de la République. On nous a toujours dit aussi que la justice est séparée des autres pouvoirs, qu'elle était indépendante, qu'elle pouvait s'auto-saisir, et patati, et patata, on sait ce qu'il en est. Donc, pour ne pas traîner en longueur, nous voudrions juste savoir si un régime corrompu, corrupteur, qui ne recule devant aucun moyen pour circonvenir tous ceux qui le menacent, et tous ceux qui le menacent, y compris des États étrangers, y compris de larges couches de sa propre société, par cette méthode éprouvée qu'on appelle désormais l'anesthésie massive. Nous voudrions bien savoir si un tel régime peut lui-même générer un outil qui puisse combattre la corruption qui découle de sa propre essence, de ses propres logiques et de sa propre survie. Puisque sans la corruption, il ne tiendrait pas un seul jour. Aujourd'hui. Le matin des aides, les membres de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption désigné. Al-Watan. Bouteflika désigne les membres de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption. Al-Huffington Post. Le président Bouteflika nomme les membres de l'organe de lutte contre la corruption. Aujourd'hui avec nous, Gilali Hajjaj. Gilali Hajjaj, vous êtes médecin de formation, journaliste d'investigation. Vous êtes surtout connu pour votre engagement contre la corruption qui ronge le pays. Cela vous a valu de très nombreux ennuis, la prison entre autres, et qui n'est pas le pire de ce que le régime vous a fait endurer. Nous aurons aussi avec nous Mustafa Bouchachi, maître Mustafa Bouchachi. Vous êtes avocat. Vous avez été le président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme de 2007 à 2012. Vous avez été élu député FFS pour la wilaya d'Alger. Mais vous aviez démissionné de ce mandat avant son expiration. Merci à vous deux d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Gilali Hajjaj. Est-ce que vous êtes avec nous? Bonsoir. Bonsoir, Gilali Hajjaj. Bonsoir. Alors, pourriez-vous, nous faire une petite explication de texte sur ce curieux organe avant que nous commencions à en parler? Oui, je vous remercie. Et en même temps, je voulais d'abord vous remercier de m'avoir invité et d'avoir choisi aujourd'hui. Comme thème de votre émission, donc ce curieux organe, comme vous le disiez dans l'introduction, et
je partage en grande partie l'analyse et le constat que vous faites. Mais en même temps, c'est vrai que beaucoup de gens nous posent la question. Vous, en tant qu'association, quel est votre intérêt, j'allais dire, à vous intéresser à cet organe national de prévention et lutte contre la corruption? C'est-à-dire que nous sommes dans notre rôle. Il y a une loi qui existe, vous l'avez citée, celle de 2006, de prévention et lutte contre la corruption. Cette loi a prévu la création d'un organe gouvernemental. Et je vais utiliser un peu une expression en arabe dialectale par rapport à ce pouvoir, non seulement qui ne fait rien contre la corruption, mais qui, à la limite, créer les conditions de son explosion. L'expression en arabe dialectal que vous utilisez, c'est-à-dire que nous, cet organe gouvernemental existe, il est financé par l'argent des contribuables. Nous, en tant qu'association, nous sommes dans notre rôle pour, j'allais dire, bousculer, faire pression, critiquer, analyser et faire des propositions. Et d'ailleurs, vous avez tout à fait raison quand vous disiez... Le mandat de la première équipe, l'équipe des 7 membres permanents, a expiré en novembre 2015. Et en juin 2016, nous avons publié un communiqué fortement médiatisé pour lancer un appel au pouvoir public. Mais écoutez, vous avez oublié, entre guillemets, que le mandat avait expiré. Mettez-y au moins la forme, à défaut d'une volonté politique à lutter contre la corruption, faites en sorte de respecter les propres lois que vous avez créées et qui sont insuffisantes. Donc ça, c'est un constat général. Maintenant, il est vrai que, non seulement, d'abord pour la petite histoire, cet organe, historiquement, chronologiquement, est né de la Convention des Nations Unies contre la corruption de 2013, qui a été ratifiée par l'Algérie en 2014, et une loi en est sortie en 2006, le 20 février 2006. Et alors, tenez-vous bien, il a fallu plus de 4 ans, pratiquement de 2006, création de cet organe, jusqu'en janvier 2011, pour installer une équipe. C'est vous dire, et ça confirme ce que vous disiez avec pertinence dans votre introduction, que non seulement il y a une totale absence de volonté politique à lutter contre la corruption, il y a la limite, dans le contexte actuel, avec tous les scandales que vous avez cités ces 10 dernières années, dans le contexte actuel, l'existence même de cet organe est une véritable provocation, j'allais dire, à l'encontre des Algériens. Je veux dire qu'on crée un organe, on le finance avec l'argent des contribuables, et en fait, cet organe non seulement ne fait rien, mais on se rappelle de temps à autre de son existence, et puis ultime provocation. Mais Gilal Hijjaj, est-ce qu'il s'est distingué par une seule action, ce premier organe, la première mouture? Rien. Rien. Rien, pratiquement. Alors, cet organe avait entre autres une prérogative qui est importante et qui l'a toujours, c'était de collecter les déclarations de patrimoine des élus locaux. Alors, il s'est lancé dans une opération. On a connu un peu peut-être le début, mais on n'a pas du tout connu la fin. Et à la limite, les textes sont volontairement vides. C'est-à-dire qu'il y a aussi une volonté de faire en sorte que dans les textes, aussi bien loi que textes d'application, il y ait une sorte de vide juridique, afin de ne pas obliger ces organes, justement, à faire réellement leur boulot. Alors, parmi les vides juridiques, c'est... Il collecte des déclarations, mais on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il va en faire, alors qu'en principe. Et la notion de déclaration de patrimoine, le concept de déclaration de patrimoine, dans les pays où il y a une volonté politique, dans les pays démocratiques, dans les pays qui connaissent aussi un certain niveau de corruption, la notion, le concept de déclaration de patrimoine est un instrument de prévention extraordinaire. C'est-à-dire que si un élu local, ou quelqu'un, ou un élu national, ou un ministre, ou un ambassadeur, ou même un haut responsable au niveau de l'État commet une déclaration de patrimoine qui est fausse, donc qui est mensongère, non seulement il est passible de poursuites judiciaires, mais en même temps de sanctions, à la limite retrait du mandat national ou retrait de la fonction. Dans la loi algérienne, il s'est fait volontairement. Dans la loi algérienne, il y a un vide juridique. On charge cet organe national, par exemple, de faire la collecte des déclarations de patrimoine, mais on ne lui donne aucune prérogative pour contrôler leur conformité, pour contrôler leur véracité, ainsi de suite. C'est dire, pour se résumer, qu'il n'y a pas une réelle volonté politique. J'allais dire, la seule volonté qui existe, c'est de laisser faire cette corruption, d'en faire un instrument de pouvoir et du pouvoir. Mais en même temps, nous, notre rôle aussi, de dire, écoutez, vous avez publié des lois, mettez-vous en conformité un peu avec ces lois. D'ailleurs, il y a une disposition qui dit,
que cet organe national doit se rapprocher des médias, doit se rapprocher de la société civile, les associer pour faire en sorte, de manière cohérente, d'agir, notamment en matière de prévention. Et nous, cet organe national, nous ne lui demandons pas de prendre en charge des dossiers de corruption. Qu'il puisse agir sous l'angle de la prévention. Et les dispositifs de prévention prévus par la Convention des Nations Unies, prévus par la loi de 2006, sont assez nombreux. Mais là, il n'y a absolument rien. Et la nouvelle équipe qui est mise en place, qui est du même profil que la précédente équipe, pratiquement, ce sont des commis du pouvoir. Ce ne sont pas des commis de l'État. Est-ce que vous avez des informations sur ces membres? On sait par exemple, je m'excuse auprès de la population de Tlemcen, de devoir citer encore ce penchant du régime à nommer tous les gens qui l'entourent et qui nomment à des postes aussi délicats, aussi sensibles, qu'ils les choisissent dans la région de Tlemcen. Je m'excuse de devoir le dire, mais le président de cet organe est de Tlemcen. C'est très curieux. Mais sinon, est-ce que vous avez d'autres informations sur ces membres? Enfin, oui, j'allais dire pratiquement les informations que nous avons, malheureusement, sont un peu de la même veine que ce que vous citez. Et à la limite, moi, si on nommait des personnes compétentes et intègres, toutes issues de Tlemcen, à la limite, ça ne me gênerait pas. Mais malheureusement, ça n'est pas le cas. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Et il y a une explication à cela. Déjà dans la première équipe qui avait été nommée en novembre 2010, les 4 ans, l'écart entre 2006, la création de l'organe, et la nomination des membres, les 4 ans en question, ce n'est pas uniquement une absence de volonté politique, c'est qu'il y a, il y a eu des luttes intestines entre les différents clans du pouvoir, à l'époque où le DRS était à son summum, pour voir qui il fallait nommer. Et en fait, il y a eu une sorte de consensus, ils ont mis plusieurs années à aboutir à son consensus, pour qu'il y ait, j'allais dire, des représentants, entre guillemets, des différents clans. Oui, oui, il y a eu des gendarmes, du DRS. Par un autre. Oui, oui. Histoire qu'un clan ne monte pas un dossier contre un autre. Et c'est ça qui, malheureusement, a paralysé pratiquement cet organe, à la limite. Même parmi les 7 membres permanents de la précédente équipe, même s'il y avait une ou deux personnes compétentes et intègres, tant que cette personne-là, ce commis de l'État, ne reçoit pas une instruction ou un ordre, il ne bouge pas, parce qu'en fait, sa crainte, c'est de se faire dégommer, c'est de perdre ses privilèges, c'est de perdre un peu ses droits de haut fonctionnaire, ainsi de suite. Et dans la nouvelle équipe, effectivement, il y a un peu cette tendance. D'ailleurs, puisque cet organe est censé travailler sur les questions de transparence, que les pouvoirs publics aient en charge la nomination de ses membres permanents, aient déjà l'audace d'agir de manière transparente. Pourquoi, dans ce communiqué, on ne donne pas une biographie express des nouveaux membres de cet organe, comme on le fait quand un nouveau ministre est nommé, on donne quelques lignes, ainsi de suite. Et là aussi, c'est une volonté aussi de rester dans l'opacité, de ne pas donner d'informations. Et c'est un peu pour ça qu'on a intitulé notre communiqué publié aujourd'hui « Changement dans la continuité de l'absence de volonté politique ». Restez avec nous, Gilles Elihajjaj, et j'accueille à présent Maître Mostafa Bouchachi, que je remercie d'être avec nous. Mostafa Bouchachi. Bonsoir. Alain Bic, bonsoir. Bonsoir. Alors, Mostafa Bouchachi, d'abord, le pouvoir parle de mandat pour ces gens qui donc ont été désignés. Est-ce que nous pouvons parler de mandat en l'occurrence? Écoute, on ne peut pas parler constitutionnellement et légalement de mandat. Un mandat, c'est quelqu'un qui est élu par le peuple pour un mandat bien déterminé. Écoute, ce qui se passe, bien sûr, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Il n'y a pas, comme Thierry a dit, c'est dans la continuité. Ce qui se passe avec ce nouveau organe. On avait un organe qui a été créé en 2011, qui n'a jamais rien fait. On n'a jamais pu avoir... En fait, Mostafa Bouchachi, l'organe a été créé en 2006 et installé en 2011. Ça veut dire, en 2006, c'est la loi, puis ils sont restés tranquilles, ils n'ont touché à rien. En 2011, ils nomment les gens, ils les installent, et on n'entend plus parler d'eux. Oui, bien sûr. Ça veut dire la loi, je sais, c'est la loi du 20 février 2006. Absolument. Et l'installation était 2011. Exact. Alors, le peuple algérien, la société civile,
la société politique, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait pendant cette période, pendant ce mandat. Ils n'ont rien fait, premièrement. Alors, ce qui a changé maintenant, c'est qu'on avait une institution, un organe qui dépendait du président de la République, qui ses membres sont nommés par le président, mais qui n'est pas dans la Constitution. Alors, la nouveauté dans ce nouveau organe, à l'image de Conseil des droits de l'homme, Conseil de la jeunesse, c'était des organisations qui existaient, mais qui n'étaient pas dans la Constitution. Maintenant, c'est un organe constitutionnel. Mais le fait qu'il est nommé par le président de la République, c'est-à-dire par l'exécutif, je ne peux pas voir qu'est-ce qu'il peut faire ce genre d'organe. Mais laissons l'organe de côté et revenons un peu à 2006 et 2015. La législation algérienne en ce qui concerne relative à la corruption, la loi du 20 février 2006, c'est une loi qui encourage la corruption plus qu'elle éradique la corruption. Pourquoi je dis ça? La loi avant 2006, l'article 119 du Code pénal, les gens qui ont, les gens corrompus ou les gens qui ont touché à l'argent public, si le délit dépasse 1 milliard, c'est une affaire criminelle et ça peut aller la peine jusqu'à la perpétuité. En 2006, on change la loi. On dit tous les faits de corruption. Si tu voles 10 000 dinars ou si tu voles 500 millions d'euros, c'est la même peine entre 2 ans et 10 ans, premièrement. C'est incroyable. Ça devient une affaire correctionnelle, ce n'est plus une affaire criminelle. Ça veut dire qu'on donne à des jeunes magistrats dans les tribunaux algériens de juger ce genre d'affaires. Avec toute l'influence qu'ils ont sur le dos, ça veut dire de la part de la chancellerie, de la part des gens, de la part de l'argent. C'est pour ça que je dis, la loi 2006, c'est une régression dans la législation algérienne. Deuxièmement... Pardon, maître Bouchachi, Mustapha Bouchachi. Et avant cette loi, qu'est-ce qui était prévu? Est-ce que, donc, si j'ai bien compris, il y avait une distinction entre la petite corruption et les petits larcins, les petits pots de vin, et les grands crimes économiques. Oui. Et les grands crimes économiques, ils relevaient de qui? De quelle juridiction? C'est la criminelle. Ah, les assises. Les assises. Oui, c'est les assises. D'accord. C'est les assises. Alors, avec la loi de 2006, tout le monde relève de la correctionnelle. De la correctionnelle. Ça veut dire qu'ils se mettent à l'abri, en quelque sorte. On ne sait jamais. On a donné une image. J'ai plaidé des affaires où les gens qui sont poursuivis pour des délits et pour détournement de centaines de milliards, ils ont été condamnés à 7 ans, 8 ans. Un jeune homme qui travaille à la poste de Badrah à Alger, qui a volé 14 millions de centimes. Il a copé de 4 ans de prison. Et des gens qui ont commis des délits des centaines de milliards, ils ont été condamnés à 5 ans. Alors lorsqu'un jeune directeur d'une agence bancaire, et on a connu ce genre d'affaires, il voit que s'il est condamné à 6 ans, à 7 ans, 8 ans, en volant 100 000 milliards. Cet argent-là, il ne pourra jamais les faire. Il ne pourra jamais les faire toute sa vie en travaillant tout, lui et sa famille. C'est pour ça que j'ai dit que... Moi, à sa place, Mustapha Bouchachi, voler pour voler, je vole le gros lot, comme ça je vais corrompre le juge et avoir une peine minima, plutôt que de prendre un tout petit peu et de me faire taper dessus. C'est pour ça que le pouvoir actuel, il a encouragé par cette loi la corruption. Mais j'aimerais aussi dire deux mots sur ce qui s'est passé en juillet 2015.
Il y a eu à mon... Stéphane Bouchager? Oui. Oui, oui, allez-y. Oui, 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 je vous en prie. Oui. Alors, il y a eu un amendement du Code de procédure pénale en Algérie qui est rentré en vigueur, cet amendement, le 23 janvier 2016. Cet amendement touchait les plaintes en ce qui concerne les affaires de corruption. Maintenant, dans la loi algérienne, le procureur général ou le procureur du tribunal n'a pas le droit d'ouvrir une enquête judiciaire sur la corruption s'il n'a pas une plainte du conseil d'administration d'une entreprise économique algérienne. Ça veut dire son attraque, l'affaire son attraque, d'après la nouvelle législation, il ne peut pas y avoir d'affaire son attraque parce que il faut une plainte du directeur général ou du conseil de l'administration. Cette nouvelle dispositif de la loi, c'est l'immunité des gestionnaires de l'économie algérienne en général. Et vous allez voir dans la réalité algérienne, depuis des années maintenant, le procureur général, qui est lui le représentant de la société, ne peut pas ouvrir une enquête sur la corruption des douanes d'Air Algérie, de son attraque, de la CNAN, de son Elgaz, s'il n'y a pas une plainte qui a été déposée. Et j'imagine mal comment un conseil d'administration qui nomme les gestionnaires nationaux et locaux peut déposer plainte. Et on sait comment ces responsables, ces gestionnaires, ils sont nommés. Comment il peut déposer plainte contre ces gens qui lui-même a nommé. C'est pour ça que je dis, la législation algérienne, c'est une législation qui, c'est l'immunité des corrompus, c'est un pouvoir qui ne veut pas y aller dans l'éradication de la corruption, et je comprends, c'est la nature du pouvoir algérien, parce que c'est un pouvoir qui n'a aucune légitimité populaire. Moustapha Bouchachi, je vais revenir vers vous dans un instant. Parce que vous venez de soulever un lièvre, comme on dit. C'est très important ce que vous êtes en train de nous dire. Vous êtes en train de nous dire que le régime a mis en place un arsenal juridique pour éviter que la justice s'autosaisisse. Moi, personnellement, j'avais toujours cru que la justice algérienne pouvait s'autosaisir, mais qu'elle ne le faisait pas parce qu'elle obéissait à des injonctions venues d'eau. Or, maintenant, vous êtes en train de nous dire... Depuis janvier 2016, non. Eh bien, nous reviendrons à vous pour nous expliciter un peu mieux cet aspect des choses qui est très, très important pour la compréhension du phénomène de l'instrumentalisation des lois par le régime. Gilles Ali Hajjaj, j'aimerais savoir d'abord les textes et le discours politique sont en train de nous dire que cet organe est indépendant. Il est indépendant dans le même temps qu'il nous dit qu'il est placé sous l'autorité ou à côté du président de la République. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu ces notions très floues, indépendant en même temps que placé sous l'autorité ou à côté du président. Oui, en fait, je voudrais tout d'abord, si vous me permettez, saluer Moustapha Bouchachi, toujours égal à lui-même, pour son intervention extrêmement pertinente. Et effectivement, ce qu'il vient de dire, ce qu'il vient d'analyser, conforte un peu l'analyse politique que nous sommes nombreux à faire, que la corruption est devenue un instrument du pouvoir et de pouvoir pour se maintenir en place. Et à telle enseigne, pour la petite histoire qui m'avait effrayé à l'époque, quand il y avait eu ces débats au niveau international sur l'adoption de la Convention des Nations Unies de 2003, nous étions, nous, associations, très engagées sur ce processus-là à travers un certain nombre d'ONG internationales, dont Transparency International. Et j'avais eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises le comité de l'État, qui à l'époque était à la chefferie du gouvernement, puis est passé à la présidente de la République, qui était chargé de suivre ces conventions
anticorruption, que ce soit la Convention des Nations Unies, que ce soit la Convention de l'Union africaine. Et tenez-vous bien, le discours qu'il m'a tenu, c'est le discours de ses chefs. En termes, j'allais dire, de doctrine, pour eux, tout ce tintamarre des Nations Unies au niveau international pour adopter une convention était un nouveau complot international contre des pays comme l'Algérie, à l'image de la décennie 90, qui était un complot international, j'allais dire, contre l'Algérie à propos des droits de l'homme. Et tenez-vous bien, ça explique beaucoup de choses. Ça explique pourquoi il n'y a pas de volonté politique. Ça explique pourquoi on a une très mauvaise loi de 2006. Ça explique aussi pourquoi ce niveau dispositif qui existe au niveau du code pénal dont a parlé c'est Mustapha Bouchechi, qui fait qu'en fait, le pouvoir actuel a récupéré de manière un peu plus ferme et autoritaire le secteur de la justice et l'a bridé. Alors que dans la Constitution, même celle de mars 2016, on parle d'indépendance de la justice. Un deuxième élément, si vous le permettez, dans votre introduction à juste titre, et c'est un peu la philosophie de la Convention des Nations Unies, et ce qui se fait aussi un peu dans le monde entier, la mise en place d'un organe national de prévention de lutte contre la corruption, la première des choses, on y favorise, l'introduction de membres de la société civile. Nos voisins marocains et tunisiens sont un peu dans cette pratique-là. En Algérie, il n'en est pas question. Et d'ailleurs, je voudrais, pour l'anecdote, rappeler à Mustapha Bouchechi, qui m'avait fait l'amabilité et l'amitié de faire partie du collectif d'avocats qui avait pris ma défense lors de mon procès en septembre 2006, dans une plaidoirie extrêmement brillante, Mustapha Bouchechi avait dit à la présidente lors de ce procès, mais écoutez, je ne comprends pas, je m'attendais à ce que le représentant de l'association algérienne de lutte contre la corruption fasse partie de l'équipe de l'organe national de prévention de la corruption, or le pouvoir actuel l'a jeté en prison. Et ça c'est édifiant à plus d'un titre. Maintenant j'en reviens, si vous permettez, à votre question, effectivement, ça relève de la même philosophie. Dans l'esprit et la lettre de la Convention des Nations Unies, il est dit texto, il n'y a de pertinence et d'efficacité pour un organe de ce genre que s'il est réellement indépendant. Or, au plan juridique, ce pouvoir n'est pas une contradiction près. L'article 18 de la loi de 2006 dit que l'organe est une autorité indépendante, mais placée auprès du président de la République. Il est clair, déjà de par les nominations, il est clair qu'en fait, c'est une tutelle directe, c'est un petit jouet, c'est une sorte de marionnette qu'on brandit à la communauté internationale pour dire « Nous avons mis en place un organe conformément à la Convention des Nations Unies, mais nous faisons sur le terrain ce que nous voulons. » Et vous avez remarqué la subtilité, l'argutie. Au lieu de dire « sous l'autorité du président », ils disent « auprès du président ». Ça veut dire qu'il y a une relation latérale, horizontale et non pas hiérarchique. Vous avez... Oui, je vous ai sous la main, quoi. Voilà, juste à côté, là. Mais bon. Mais sinon, tout à l'heure, je vous avais posé une question sur les membres. Est-ce que vous avez des informations sur ces fameux membres ? Ah oui, non, je l'ai dit, effectivement, malheureusement, pour un certain nombre d'entre eux, il y a un facteur, comme nous, on dit dans notre jargon médical, loco-régional. C'est malheureux, mais en même temps, le fait qu'on nomme des gens de la tribu, c'est aussi pour mieux exercer une tutelle et un contrôle direct sur l'existence de cet organe. Maintenant, le reste des membres, il est de tradition pour ce type de pratique de mettre un peu des gens qui viennent de l'Inspection Générale des Finances. C'est un peu le cas de Abdelkrim Bali, qui a été reconduit pour une deuxième période de 5 ans. Ah, il a été dans le premier organe. C'est le seul rescapé de l'équipe des 7 membres. D'ailleurs, le précédent président de l'organe de prévention du contre la corruption, Izeb Boudjen, était lui-même issu de l'Inspection Générale des Finances. Le nouveau président de l'organe, c'est quelqu'un qui, il n'y a pas longtemps encore, était chef de cabinet du Premier ministre. Bon, c'est un commis, je ne dirais même pas, ce serait élogieux de ma part de dire que c'est un commis de l'État, c'est un commis du pouvoir, il est aux ordres, à un âge assez avancé. Et puis c'est aussi ce type d'organe dont on ne veut pas qu'il fasse beaucoup de bruit, on ne veut pas qu'il agisse. C'est aussi un peu un fourre-tout pour retraiter de la haute fonction publique. Il y a même parmi eux certains qui étaient retraités, qu'on a rappelés. Et puis la tradition veut qu'on mette aussi des officiers de police judiciaire issus des différents services de sécurité. Et probablement, on n'a pas encore au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, de précision sur l'ensemble. Et probablement, il est possible qu'il y ait quelqu'un des affaires étrangères par rapport aux questions de conventions internationales. Voilà. Alors, mais on en fera certainement plus les prochains jours. Alors, très vraisemblablement, il n'y a
personne de la société civile, il n'y a personne des organismes, des observatoires de lutte contre, j'entends indépendants, hein, de lutte contre la corruption, il n'y a personne. Non, il n'y a absolument personne, et ça aussi, c'est une façon de... À la limite, même entre 2011 et 2016, alors que les textes le disent, une des prérogatives de l'organe, c'est de se rapprocher des médias, c'est de se rapprocher du public, c'est de se rapprocher aussi de la société civile, parce qu'il ne peut pas y avoir de prévention de lutte contre la corruption sans la société civile, sans le milieu associatif, sans les médias. Mais bon, mais c'est pas du tout leur souci. Donc là, et c'est pour ça que j'insiste sur ces points et je rejoins ce que disait si Moustapha Bouchechi. Il faut qu'on les accule, qu'on leur montre en fait que vous vous moquez du monde et que ça suffit. Nous ne sommes pas dupes. Mais en même temps, nous sommes dans notre rôle d'essayer de bousculer un peu pour que enfin il puisse éventuellement y avoir une petite ouverture sans se faire d'illusions sur le pouvoir actuel. Je reviendrai à vous dans un instant, Gilles Lihjej, pour vous demander de nous parler des affaires pendantes de grande corruption et des affaires qui ont été étouffées, dont on ne parle plus, donc qui ont été classées d'une certaine manière. Et je reviens à Moustapha Bouchechi. Vous aviez donc soulevé une vraie question. Moi, personnellement, je ne suis malheureusement pas initié en la matière. J'ai toujours cru que le juge d'instruction pouvait s'autosaisir et que le procureur pouvait donc déclencher une action publique et se saisir lui aussi sans qu'il y ait l'obligation de porter, qu'une quelconque partie porte plainte. Or, vous êtes en train de nous dire que ce n'est pas ça du tout. Non. Alors, avant janvier 2016, la justice algérienne, comme elle n'est pas indépendante, soit les procureurs généraux, soit les procureurs de la République, soit les juges d'instruction, ils ne peuvent pas ouvrir une enquête judiciaire lorsque ça concerne des hauts responsables, s'ils n'ont pas le feu vert politique. C'est-à-dire ce vert politique qui décide est-ce que le ministre de la Justice ou c'est plus haut. D'ailleurs, il y a un jeune syndicaliste qui est maintenant en Angleterre, réfugié politique. Il a déposé plainte contre une corruption qui touche le gaz qui est vendu à l'extérieur. Et il n'y a pas eu d'enquête qui a été ouverte dans ce sens, mais le jeune syndicaliste, il a été suspendu de ses fonctions, il a été poursuivi après pour avoir parlé dans la presse de ça. Et nous lui demandons de nous contacter ici à Londres, nous le recevrons avec plaisir. Merci de nous l'avoir signalé. C'est M. Aouine Rachid, oui. Oui, nous l'avons vu, nous l'avons vu il y a deux jours seulement. Oui. Très bien, vous venez de me l'apprendre, je ne savais pas cet aspect des choses. Il y a ça. Bien sûr, les procureurs généraux et les juges d'instruction, lorsque ce n'est pas une affaire que le système politique essaye de poursuivre quelqu'un pour des raisons politiques généralement, parce que peut-être ils ont commis le délit de corruption, mais c'est surtout pour des raisons politiques. Mais après janvier 2016, il n'y a plus de poursuites judiciaires contre les gestionnaires algériens s'il n'y a pas une plainte qui est déposée. Mais Moustapha Bouchechi... Bien sûr, cette législation, c'est en contradiction avec le discours politique du système qui dit on veut aller vers l'éradication de la corruption en Algérie. Toute la législation, l'arsenal juridique qui existe maintenant, ne peut pas éradiquer la corruption. Au contraire, il encourage la corruption en Algérie. La justice algérienne, malheureusement, je n'ai pas à vous le dire, tout le monde le sait, ce n'est pas une justice indépendante, c'est une justice aux ordres. Ce n'est pas les petits magistrats. Parce que la justice algérienne, il y a les gens qui sont présidents de cour, procureur général, président de la Cour suprême, président de tribunal, procureur. C'est eux la justice. Les autres jeunes magistrats ou anciens magistrats, présidents de chambre, conseillers,
à la fin. Ils ne peuvent pas agir parce que la gestion, la programmation des affaires de corruption, ils sont faits par les présidents des juridictions. Et on sait à qui donner les affaires de corruption ou autres affaires politiques. C'est pour ça que la justice algérienne ne peut pas être indépendante avec la loi qui existe maintenant, la loi de 2004 sur la justice. Et bien sûr, s'il n'y a pas une justice indépendante, s'il n'y a pas une volonté, s'il y a une législation qui encourage la corruption. Mais ça va, Bouchachi. Ça va, Bouchachi. Oui. Et dans ce dispositif juridique, scélérat, pour le moins qu'on puisse dire. Le syndicat de la magistrature, il n'a pas bougé, il n'a rien dit. Écoute, jusqu'à présent, je n'ai pas entendu le président du syndicat des magistrats parler de ça. Au contraire, il a toujours défendu. Lorsque des activistes, des militants de droits de l'homme, lorsque des avocats parlent de, que la justice n'est pas indépendante, elle est aux ordres, lui, il défend que la justice est indépendante et on n'a pas à se mêler des affaires internes de la magistrature, malheureusement. Bien sûr, ce n'est pas seulement ça. Même les intérêts matériels et moraux des magistrats, ils ne sont pas défendus par le syndicat. Mais bien sûr, je ne peux pas lui demander d'être un Zorro dans la situation actuelle de l'Algérie. Il n'y a pas de syndicat réellement indépendant. L'UGPA, le syndicat des et les avocats, Mustapha Bouchachi, les avocats dont vous êtes membre, pourquoi ne se bouge-t-il pas? Pourquoi n'essaie-t-il pas de résister, de dénoncer cet état de fait? Pourquoi la plupart de vos confrères jouent-ils le jeu du régime? Il faut le dire comme ça l'est. Non, enfin. je suis. Vous avez raison et je suis triste parce que être un avocat, c'est une profession libre. Et avant de gagner de l'argent, c'est défendre des principes. Exactement. C'est défendre un état de droit. Alors, il y a une émission de la défense en général en ce qui concerne le principe. Et lorsqu'on discute avec les confrères qui voient qu'il n'y a pas de justice qui est rendue, il n'y a pas d'indépendance, ils te disent qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire dans la situation actuelle? Mustapha Bouchachi, merci beaucoup. Il y a une émission. Merci beaucoup, Mustapha Bouchachi. Je suis obligé donc... d'abréger, l'émission arrive à sa fin. Je reviens à Gilles Ali Hajjaj pour lui demander de nous énumérer seulement les cas de corruption, les affaires pendantes et les affaires qui ont été carrément zappées. Gilles Ali Hajjaj. Oui, en fait, malheureusement, l'actualité est toujours abondante d'affaires de corruption, notamment à l'international où l'Algérie est impliquée. Ce que disait avec beaucoup de pertinence M. Mustapha Bouchachi, ce nouveau dispositif législatif dans le code pénal en application depuis janvier 2016 est une décision programmée, voulue volontairement par les pouvoirs publics pour mieux contrôler à la fois les entreprises où il y aurait des affaires de corruption et à la fois la justice. C'est pas une vue de l'esprit, ça fait partie d'une stratégie du pouvoir à se protéger. S'il y a quelques années ou quelques décennies, le pouvoir faisait fi de l'existence ou pas de législation, maintenant il fait extrêmement attention, il se protège à sa manière, à travers une législation qu'il dessine, qu'il écrit et qu'il applique comme il le veut. Concernant, d'ailleurs, à telle enseigne, par rapport au scandale de corruption à l'international, où les révélations continuent, ce n'est pas un hasard si depuis janvier 2016, malgré l'actualité qui évoque ces affaires, la justice reste silencieuse. Ou même les entreprises concernées restent silencieuses. J'en veux pour telle enseigne, j'en veux pour la dernière affaire qui éclabousse des firmes espagnoles avec des partenaires algériens, notamment la Société des Eaux ou le tramway de Huelgla. La justice espagnole est en train d'instruire et de faire un procès autour de ces scandales.
la partie algérienne, qu'elle soit justice ou qu'elle soit entreprise concernée, reste silencieuse, et ça n'est pas une surprise. Alors parmi les autres affaires, malheureusement, donc nous devons rester attentifs, même si le volet algérien restera plus ou moins exclu de l'affaire Saipem-Sonatrach, ce qui est un peu l'affaire Sonatrach 2, mais qui est restée dans les tiroirs de la justice algérienne. Donc il faudra être attentif. Le mois de décembre, en principe, devrait se tenir le procès au niveau de Milan concernant cette affaire où sont impliqués directement donc des intermédiaires algériens, Farid Bjeoui et consorts. Il y a encore une autre affaire, nous en parlons depuis des années, nous avons transmis des documents extrêmement accablants à toutes les parties algériennes, autorités exécutives, justice. J'en avais parlé à plusieurs reprises dans votre émission, c'est l'affaire SNC-Lavalin, la multinationale canadienne, qui a obtenu en l'espace d'une dizaine d'années plus de 10 milliards de dollars de marché avec l'Algérie. Alors, du côté canadien, suisse, il y a des poursuites judiciaires. Alors, ce qui me chagrine énormément dans cette affaire, c'est que la justice suisse, qui tout à fait par hasard a mis la main sur un ancien vice-président d'origine tunisienne de SNC-Lavalin, l'a mis en prison, c'est que la justice suisse, pour se faire payer de tous les préjudices, a récupéré une partie des biens mal acquis par cet ancien vice-président, qui a bénéficié, dans le cadre de corruption entre l'Algérie et le Canada, qui a bénéficié de rétrocommissions. Riyad Ben Issa, pour ne pas le citer. Il y a un autre vice-président qui était aussi un partenaire important de SNC-Lavalin avec l'Algérie, d'origine égyptienne, qui lui a accepté de se livrer à la justice canadienne et négocie un peu ses peines. Donc il y a un dossier extrêmement lourd, extrêmement documenté, et la justice algérienne est malheureusement silencieuse, mais ce dossier, nous le suivons et nous rendrons public au fur et à mesure. Gilles Hajjaj, merci beaucoup, je suis obligé de vous interrompre. Nous arrivons malheureusement à la fin de l'émission, nous avons même débordé. Je voulais juste dire que, Gilles Hajjaj, je vous aurais laissé continuer, vous seriez resté jusqu'au matin, tellement il y a d'affaires en cours, pendantes, ou qui ont été liquidées discrètement. Quoi dire aux membres de cet organe, aux nouveaux membres? Quoi dire? Leur souhaiter bon appétit avec leurs copains, la grande Zerda. Salam alaykoum, qawala khair, bislama. Merci à mes invités, merci à vous de nous avoir suivis.